Bienvenue, nous allons passer ensemble une heure à la campagne. Alors nous n'allons pas euh, parler de production viticole euh, ni quoi que ce soit, nous allons parler de notre type de production, la production culturelle, parce qu'il se passe beaucoup de choses à la campagne. Pour preuve, le magazine Champs libre dont nous allons dans un instant diffuser le premier épisode de la saison 3. J'aime bien, ça fait un petit peu feuilleton, et je trouve <laughs> ça plutôt sympathique, parce que c'est vrai aussi, euh, ce qui se passe, c'était au départ un sacré pari, parler de l'activité culturelle en milieu rural. Au début, on peut se dire, mais enfin, ça ne va, ça va pas. Sonia Moumen est tombée sur la tête. Mais non, pas du tout. Il se passe plein de choses, la preuve dans un instant, et pour en parler justement. Sur ce plateau, Sonia Moumen, que vous retrouvez notamment dans, dans Champ libre il y a avec vous, euh, à vos côtés, Nicolas Espitali. Alors vous, vous êtes rédacteur en chef du Mag de Sud-Ouest. Pourquoi Parce que les deux, vous travaillez ensemble. Parce qu'il y a Champs Libres d'un côté et les gens qui s'aiment. De l'autre, on va en reparler dans un instant. Et puis, vous pourrez en savoir davantage sur le théâtre du roi de cœur installé dans une petite commune de Dordogne qui s'appelle Mounins. Maurice. Et Mounins, on va y arriver, hein, parce que depuis tout à l'heure, Mounins. Et, euh, et, et c'est vous, Claude Broca, oui. qui êtes la fondatrice de, euh, de cette compagnie. Alors, avant de parler de, de Champs-Libres, euh, quelle idée d'aller vous installer dans une petite commune, Mounins, donc, en Dordogne bah, J'ai envie de dire, et pourquoi pas, puisque euh, sinon il faut rester dans les grandes villes et il y a beaucoup de monde, alors que là, au contraire, il y a, il y a une petite commune avec euh, plein de spectateurs. Donc euh, au contraire, c'est le meilleur endroit pour s'installer et sans concurrence. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça, hein, Sonia, peut-être que les activités culturelles en milieu rural ont davantage de visibilité parce que ben, moins nombreuses qu'en ville, forcément. C'est un atout, en fait. Alors, elles ont de la visibilité beaucoup sur leur territoire. Oui, parfois ce qui est compliqué, c'est ça le reste. Vu okay. depuis les grandes villes, peut-être un peu moins, quoique ça dépend aussi des, des événements. Certains festivals en milieu rural ont une grosse, grosse notoriété. Mais surtout, il y a des conditions de travail qui sont souvent considérées comme idéales par les artistes parce que de l'espace, parce qu'il y a un rapport et une connexion à la nature, parce que du temps est vraiment une qualité aussi de relation avec les populations locales. – Alors Nicolas Espitalier, euh, vous, Champs-Libre, euh, ça vous parle, puisque vous avez lancé depuis euh, pas mal de saisons aussi maintenant l'opération Jean-Qui-Sème. Jean, euh, jean euh, c'est un peu la même idée, c'est les initiatives en milieu rural. Hein – Oui, en fait, nous, on a lancé les jean qui sèment en octobre 2017, et c'est notre première saison. Votre première saison, puisque ce n'est pas la même temporalité, à démarré en janvier 2018, euh, de Champs-Libre. Très vite, on, on s'est rencontrés, on est tombé d'accord sur le fait qu'on avait pas mal de choses en commun. Et donc nous, dans le mag hebdomadaire de Sud Ouest, on, chaque samedi en kiosque vendu avec le journal, euh, on, on travaille sur les initiatives positives et inspirantes en milieu rural. Maintenant, on s'est élargi au bout de trois saisons aux initiatives aussi en, en milieu urbain. Et euh, nous, c'est à peu près tous les domaines. Ouais. C'est-à-dire que l'emploi, le travail, la solidarité, etc., pas uniquement la culture, c'est ce justement qui nous différencie. Par, par ça, oh, oh. Avec une zone également géographique différente, voilà. mais on a quand même un, pardon, un point de rencontre oh oui. qui est euh, tout ce qui est l'initiative euh, culturelle en milieu rural. Dans la zone de diffusion du sud-ouest, ça c'est notre, notre lot commun, donc on a fait pas mal de trucs ensemble déjà. Pour avoir une petite idée justement de ce qui se passe régulièrement dans, dans Champs Libre, regardez un petit peu le, le sommaire de l'épisode 1 de la saison 3. Ah. Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libre explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. De Contis, on connaît les dunes, les plages, mais moins le festival de courts-métrages, du cinéma grand écran avec l'océan pour horizon. La photographe Christelle Westphal a imaginé une étonnante coiffe végétale pour une série de portraits où il est question de porter la Terre. Rendez-vous au bout du monde à Jarnage depuis l'atelier du percussionniste Léquanine. Depuis son petit village de Dordogne, la chanteuse, musicienne et photographe Dawa Salfati se fait exploratrice des sonorités du monde. Le beau roman Ici ça va de Thomas Vino est à savourer dans notre rubrique lue. Dans le village de Morins en Dordogne, avec la nature pour seul décor, la compagnie du théâtre du roi de cœur a fondé un festival aussi poétique que stimulant. Donc, c'est confirmé, c'est bien Morin hein, que vous êtes euh, installé, hein, c'est marqué dessus et tout. Euh, comment ça se passe pour vous, là, justement Est-ce que c'est compliqué de, de, de faire venir du public Est-ce que c'est compliqué de, de, de vivre, tout simplement euh... C'est compliqué de faire venir du monde, non pas du tout. En fait, les choses sont, sont faites assez simplement. En plus, nous, on n'est pas natifs de la région. Donc, c'est vraiment le bouche à oreille qui a été un réseau extraordinaire. Euh, évidemment, les conditions sont difficiles parce que maintenant, les artistes doivent en vivre. Ils ne peuvent pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Même et, à la campagne. Hein, même à voir. la campagne, parce qu'en plus de ça, <laughs> l'idée, c'est d'apporter, de ne pas rester en vase clos et de faire venir des artistes, évidemment, professionnels et du coup, qui travaillent ailleurs. Avec d'autres artistes et viennent en fait nourri et et viennent apporter tout cet enrichissement là à la campagne. Donc c'est ça qui est difficile, c'est de pouvoir les soutenir en les faisant venir. Donc pour ça il faut évidemment des financements. Alors justement c'est compliqué. Ouais. Est-ce que le fait d'être peut-être une, une une compagnie rurale vous ouvre l'avantage la, 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 de porte à des subventions ou euh, euh... est-ce que votre démarche, je veux dire d'aménagement du, du territoire par la culture vous, vous permet d'avoir peut-être un peu plus de subventions non, non. non, ça ne nous apporte pas euh, particulièrement plus, enfin on n'a pas un statut au contraire particulier, qui est particulier. Euh, pourtant on est dans un schéma, enfin dans un modèle complètement archaïque, on n'a absolument rien inventé en faisant du théâtre de tréteau dans la nature, enfin on n'est vraiment pas les premiers ouais, à le faire. Euh, Molière, hein, déjà. Euh, ça... Mais euh, c'est vrai qu'il y a un regard à apporter davantage évidemment aux créations émergentes et ce qui se passe dans les grandes villes. Donc euh, c'est plus une question de politique à ce moment-là, c'est difficile évidemment de s'insérer euh, là-dedans. La question politique, on en reparlera justement tout de suite après. Euh l'épisode 1 de la saison 3. Euh, vous vous l'avez dit, vous n'êtes pas euh, natif de, de, de Morins un pourquoi Mourins et deux comment vous avez été accueilli dans un village de Dordogne quand on dit bonjour on va monter une troupe de théâtre ouais. vous avez dû peut-être pa passer pour un peu des, des farfelus des originaux des marginaux des... au début où il y a eu un peu de méfiance un peu des, plutôt des bourgeois qui viennent avec leurs gros sabots ah oui d'accord euh... c'est le contraire d'accord voilà oui. ouais, okay. euh, puis moi j'ai un, un diminutif donc euh, voilà de m'appeler Chloé de Broca évidemment tout de suite on imagine euh, que c'est la grande ville qui débarque ouais. euh, donc cette question nous a souvent été posée, mais c'est la famille en fait. Ma belle-sœur a un jardin euh, en pente. Donc ça elle, commence je, comme voilà. ça. Et tout simplement, on a créé un théâtre de verdure. Mais c'est vrai qu'une fois la première appréhension passée, et c'est-à-dire qu du, qui dure 10 secondes en Dordogne, ah ouais. euh, on a été très 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 bien accueillis. Maintenant, enfin je veux dire, les, les familles, les maisons nous ont été ouvertes. Les... Donc vous l'avez compris, si vous avez un jardin en pente, oui. n'hésitez pas à hein, oui. monter une oui. compagnie de théâtre et ce sera le, le fun. Sonia justement par rapport. À ça, par rapport à la façon dont la culture s'intègre dans des petits villages comme, comme à c'est une problématique donc, que vous avez dû rencontrer tout au long de. Oui, c'est une problématique qu'on qu retrouve vraiment très souvent dans Champs libre. Moi, ce qui m'a frappé avec le festival du Théâtre du Roi de Cœur, c'est ce fameux lieu. C'est un lieu exceptionnel en pleine nature. Des bottes de, de paille qui servent de gradins, euh, on, on a la forêt en arrière-plan. C'est vraiment un théâtre de très tôt, mais un théâtre de très tôt avec, pour arrière-plan, la nature. Et ça, ça peut se faire nulle part ailleurs, à part à, part à la campagne. Et ce que je trouve intéressant dans ce festival, c'est que euh, le Troc n'a pas cherché à reproduire ce qui se passait en ville. C'est que vraiment, il y a un modèle très spécifique qui a été imaginé. Et c'est ce qu'on retrouve assez souvent, finalement, c'est quand le fait d'être à la campagne est totalement assumé. D'accord. Et, et donc, est-ce qu'il y a une façon. C'est très bête la question que je vais non. poser, mais j'adore celle-là. Est-ce les... est qu'il y a une façon différente de faire du théâtre quand on est à la campagne Et quand justement, on peut bénéficier de tout ce. Ce décor, est-ce que la campagne devient un partenaire, vais dire quasiment de, de, de jeu ou de création Ah, bah oui, parce que quand il pleut quand il fait très chaud, tout d'un coup, les choses deviennent un peu il pleut plus compliquées. Oui, je peux vous assurer qu'il peut pleuvoir <laughs> beaucoup. Même. Tout d'un coup, il peut faire très très chaud et ouais. il peut pleuvoir. Donc, euh, oui, ça devient un grand partenaire, mais c'est aussi un allié formidable parce qu'on est libre en fait. Ouais. Tout d'un coup, il n'y a plus de mur, il n'y a plus de, il y a plus de, de barrières, il n'y a, a, a plus rien qui nous, euh, qui nous isole. Qui nous, contraint, qui, ouais, ouais, qui nous contraint, qui nous isole et donc en fait on fait on fait théâtre, on fait vie, on fait communauté avec tout ce qui nous entoure et évidemment on est dépendant de ce qu'elle décide de faire de nous et mais c'est ça qui de, la rend vivante en fait et donc on est beaucoup plus vivant et les spectacles sont beaucoup plus riches parce que ils sont faits au présent et en pleine nature. On, on va aborder cette question après le, le, avoir regardé ensemble ce premier épisode mais est-ce qu'il vous semble que justement à travers les initiatives qu'on retrouve dans jean qui ou à travers la culture qu'on retrouve dans euh, Champs Libres. Euh, Est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui, euh, la ruralité, la campagne, alors qu'on parle beaucoup de désertification, de, de, de services publics, a de vrais atouts, de vrais atouts pour peut-être avoir une deuxième vie, trouver un second souffle Franchement, euh, on a quand même été surpris de trouver autant de choses à raconter dans les gens qui s'aiment. On avait peur la première année de de ne pas tenir l'année, de ne pas trouver, trouver 50 euh, super sujets sur nos 7 départements de diffusion. Et en fait, il y en a plein, évidemment, on a, on a un spectre assez large, est pas uniquement la culture, mais c'est vraiment, il y a une vraie richesse. Alors après, euh, pas non plus euh, dans le monde des parties... Il y a des initiatives euh, autour de Bergerac, puisqu'on parle euh, du troc. Il y, a, il y a des tas, des tas de, de trucs très chouettes qui s'y passent. On a fait un Jean qui sème sur une, des jeunes que vous connaissez peut-être, des jeunes du CRU, qui ont monté. Euh, une, ils font du jean en circuit court. C'est mmh. Erika Spirit. Ils font bosser. Avec modération, hein, bien sûr. Avec <laughs> modération. Je vous mettrai un truc. Même tout sur tout le tout chemin en pente. Un, hein, si c'est enregistré. <laughs> euh, <laughs> non, mais eux, par exemple, ils font vivre un bout de campagne ils travaillent avec. Euh, avec d'autres partenaires, avec des producteurs locaux, etc. Ça fait quand même vivre des choses avec les commerces de Bergerac, etc. On a trouvé quand même pas mal de choses qui se passent rien qu'autour de Bergerac. Ils sont à la Monsigny-Montastruc, vous êtes à Morins, il se passe pas mal de choses. Pour autant, euh, le centre-ville de Bergerac, parfois, n'est plus ce qu'il était il y a 20 ans non plus. Ouais. Bon, C'est pas parce qu'il se passe dire des choses que que la campagne, euh, faut que les villes moyennes comme ça, un peu éloignées de, des mégapoles, sont sauvées et revivent euh, à 100%. Est-ce que la, la culture peut être aussi un, un levier économique, peut-être, pour faire euh, vivre... Euh, un, un village et ses alentours. C'est-à-dire, si effectivement il y a une, qui, une troupe qui s'installe, euh, ils viennent avec des enfants, potentiellement ça, ça permet p... de sauver une classe et peut-être de réouvrir l'épicerie. Euh, il y a tout ça aussi derrière la culture. Ce n'est pas uniquement mmh. que des gens de la ville qui viennent voir des, des, des spectacles sur un, un, un terrain boisé. Hein. C'est <laughs> peut-être un levier économique, c'est sans aucun doute un levier social oui. euh, qui permet de recréer du lien, de fédérer euh, les gens autour de, de projets dont ils sont fiers. Euh, la présence d'artistes aussi. Euh, d'artistes qui s'implantent, qui travaillent sur le territoire, avec les ressources du territoire, est quelque chose de très fort. Nous aussi, quand on a commencé Champ Libre il y a trois ans, on s'est dit on va peut-être tenir une saison, on n'ira pas au-delà, le sujet va s'épuiser. Et plus on allait laborer le territoire, ouais. et plus on, on découvrait des artistes et des... Et des et des projets totalement innovants, euh, souvent de taille modeste, mais la, la taille réduite en fait, pas, enfin, en fait pour autant des, des projets qui sont passionnants sur le plan du, du contenu, sur le plan artistique. Je voulais revenir sur le, le festival du troc. On y voit des créations, puisque l'essentiel du festival, ce sont des créations qui sont extrêmement stimulantes sur le plan artistique et sur le plan intellectuel. Oui, pas... Ça fait du bien. Ouais, ce n'est pas parce qu'on fait de la, du théâtre à la campagne qu'on ne fait pas de théâtre. Hein. Ce qu qui est important bon dans, le, dans le mot théâtre, c'est théâtre, hein, <laughs> que ce soit à la campagne ou en ville. On est bien d'accord. Hein, L'exigence est, est la même. Ouais. Oui. Est-ce que effectivement, à partir de, du, du moment où vous vous êtes installé, vous avez senti aussi les, les, les gens du, du, du village ou de ses alentours s'intégrer petit, petit à petit à votre à votre projet, peut-être prêter main forte sur la forme de, de du bénévolat ou des choses comme ça Est-ce que vous est-ce que vous créez une dynamique effectivement, peut-être derrière euh, ce festival. Ah oui, il y a un écosystème qui s'est créé. Et un il écosystème, c'est ça c est c est, le mot. Oui, c'est tout à fait le mot, parce que et je, le, le festival n'existerait pas sans le bénévolat, sans ses coups de main, sans ces bottes de paille prêtées, sans, en fait, il fallait vraiment faire la liste des choses. Et même on en oublie quand on doit faire justement un dossier et valoriser les choses, on en oublie tellement, c'est du, du, moindre, du moindre petit caillou, en fait, tout le monde vient apporter, euh, évidemment que c'est très, 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 très important. Maintenant, c'est à nous de toujours faire en sorte de laisser la place à ce que à, aux gens du territoire, à oui, part, voilà. tout d'un coup, c'est parmi en, pas en un terrain conquis, en disant c'est comme ça, ça qu'il faut conquis faire, et voilà. pas ne laisser que toujours les, les choses soient toujours aussi vivantes et mouvantes, pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui arrive avec une bonne idée et que cette bonne idée ait sa place. Euh, il faut pas, parce qu'évidemment quand les choses marchent, on a tendance à vouloir les figer, on a vouloir à, à refaire exactement, et c'est là où il faut être malin et faire attention, parce qu'évidemment il y a des gens qui s'installent, et, et pour fédérer, il faut toujours être ouvert à ce qui est de plus de monde et qui va arriver aussi avec de nouvelles idées. Sans mettre dehors les, les, anciennes, les, les anciennes idées, les anciennes initiatives. C'est là où il faut arriver à être malin et toujours au, au fait de ce qui se passe. Et, et vous travaillez avec d'autres acteurs locaux non Vous étiez au festival de Bossé l'année dernière Vous travaillez avec oui. d'autres acteurs culturels de... oui, oui, après nous on a une activité, le festival, mais le théâtre du Roi de Cœur est un théâtre mmh. hein, finalement itinérant mmh. euh, et éphémère qui s'installe un peu partout sur le territoire tout le reste de l'année. Notre mission qu'on s'est donnée c'est vraiment d'apporter du théâtre exigeant professionnel en milieu rural et après on Collabore évidemment avec d'autres initiatives culturelles locales, et c'est là où c'est encore plus explosif et encore plus intéressant, évidemment. Merci beaucoup, le temps passe vite, on aurait pu parler encore plus longtemps euh, de ce qui se passe à Morins avec un R comme dans Morins. Euh, mais tout de suite, nous allons partir. Alors, on a fait un grand voyage en Nouvelle-Aquitaine, cette euh, saison 1, euh, saison, épisode 1 de la saison 3. Euh, nous allons en Corrèze, nous allons en Dordogne et nous allons dans la Vienne. Nous allons parler euh, photographie, nous allons parler de percussion, nous allons parler de chant, de théâtre. Et de littérature. Et oui, c'est ça, champ libre, c'est toutes les disciplines. <laughs> Allez, bah, ça tout de suite, regardez.